signes gravés d'astuces d'argent. Ton assistance informe, les brèches des royaumes, elle permet de rehausser les priorités des divers talismans. Cool. Question, t'as que l'âge comme arme? Pour le moment, oui, mais sûrement pas. Je pense qu'on va débloquer d'autres armes plus tard. Comme dans tous les God of War, dans tous les genre Devil May Cry, oh. Toujours tout ce style de jeu, on récupère toujours d'autres armes. Donc voilà. Pour l'instant, la hache, elle fait le café. Allez, gamin, on y va. Corne. Ah non, 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 non. Non, je l'avais celui-là. Oui, c'est pas nouveau. J'ai loupé une porte. Demi-tour. On y retourne. Ah, y'a, ouais. Y'a. Merci. Il est bien le jeu, il est terrible. Il est super bien. C'est vraiment une super aventure que tu expérimentes en fait tout le long. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, j'en sais rien, petit. Ah, ok. Okay. Ah, ok. On peut tirer pendant... Eh oui, on peut tirer quand on fait ça. Troisième, je vais le refaire. Là. Oula, ouh mon dieu, ça a l'air d'être chiant. Niveau gameplay, c'est très fluide. Et ça ressemble à... Ouais, non, je sais pas, tous les God of War, Devil May Cry, tout ça, c'est... Ils ont un peu le même système de gameplay, mais... franchement, c'est super fluide et c'est super fun, quoi, à jouer. Alors, comment on va faire ça? Alors, comme ça... Est-ce qu'on peut le toucher de là? Ok, ça marche. Ce que j'aime bien, c'est que le gameplay, il est tellement bien fait. Si on crève, en fait, c'est pas parce qu'on combat le gameplay, c'est juste parce que bah, on a eu pas de chance ou on a mal joué. Genre, c'est ça. C'est pas parce que le gameplay a un problème qu'on meurt. Même en difficulté extrême, là je suis en extrême moi, mais ça se passe bien quoi au final. Une esquive,
Une esquive in extremis parfaitement synchronisée déclenche glissement de royaume qui garantit les ennemis aux alentours. Améliore cet objet pour prolonger la durée du glissement. Ouais, mais non. Non, 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 j'ai ma rage, ça a pas la tête. Ça a pas la tête. Il est où ton machin? Allez. Merde, j'avais oublié que j'avais ça. Ouais, défonce le gamin, moi ça m'aide. Là c'est moi qui ai mal joué par exemple. C'est pas le gameplay qui est fautif, c'est moi qui ai mal... J'aurais dû réagir plus vite. Et au final c'est ça qui rend le jeu super bien quoi. Qu'est-ce que c'est ? Mais j'en sais rien gamin. C'est bon, on a fini là. On a le coffre. On se casse. C'est parti. Ah, l'histoire, pour le moment, on doit aller en haut d'une montagne pour déposer des cendres. Pour le moment, c'est ça. Mais bon, il y a plein d'histoires qui vont se débloquer au fur et à mesure. On doit déposer les cendres de notre femme. Au mont Fuji. Voilà. On peut aller là ou pas? Non. Non. Dit comme ça, ça a l'air ridicule. Ah, c'est ça, mais non, enfin l'histoire. Des vasques de sable à Alfheim aussi. Pour le moment principal, c'est ça, c'est notre but, c'est ça, mais après, on découvre tellement de royaumes. Et de choses. Quelle est la question? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre, mais en toi, je rends la vie plus pure. Mais je vois pas d'autres runes ici. Retournons au bateau. Ah, merde. La porte bleue, ça doit être l'entrée. Allons-y. Ah, fais attention, Atrus. Il y a des elfes noirs. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des tentacules aussi. Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal de cette chose. Pourquoi? Pour empêcher l'arrivée des renforts. Oh la vache. Qui vient. Pas bon. Nani puta. Pas bon, j'ai pas de vie du tout. Non, attends.
C'était chaud. On peut peut-être rétablir le pont en descendant. Peut-être, gamin. Peut-être. Ok. Oui, ça a marché. Enfin, je crois. Totalement normal. Je dois trouver une pierre de guérison. Oh la vache. Que dalle. Il nous tire à nouveau dessus. Merde, attrape. Merci gamin. Pourquoi est-ce qu'il nous attaque? Nous sommes sur leur territoire. Oh, putain. Des astuces. Les elfes noirs attaquent en groupe lorsque père part ou porte un coup puissant. Les saints ont tendance à se disperser. Voilà. Je vois pas trop pourquoi ça m'aiderait de savoir ça. Attends, si on les associe comme ça, ça ressemble un peu à une rune. Et ça veut rien dire. Viens, retournons à la vasque de sable. On va... Qu'est-ce que c'est ? On retente. Ça me manque les histoires de Kratos sur le bateau. J'espère qu'il pourra en raconter encore. Parce que les histoires, elles étaient terribles. Forme une rune elfique. Dessine-la. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Atreus. C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire? Non. Qu'est-ce qui se passe? T'as ouvert. Regarde ce qu'on a trouvé. T'as ouvert la mer en deux, petit. Père? Oui. Les voix que j'ai entendues, elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu maman. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Ah non. Il est pas comme les autres. T'as vu ses cornes? Mets-toi derrière moi. Qu'est-ce qu'il veut, le moustique? Oh la vache. Ouais, non, là, là c'était pas bon. Non, on va pas se relever. Recommencer. Non, non, c'est pas la peine, petit. Laisse-moi mourir. C'est les elfes dans le jeu, c'est comme les moustiques. Un calvaire. C'est exactement pareil. Oh, il les fait tomber. Non. Oh putain. Ah, il a augmenté de niveau, fait chier.
C'est con parce que... Enfin, ils ont l'air de tomber... Alors qu'ils volent. Quand ça se passe, quand c'est comme ça, c'est super jouissif de jouer en fait. C'est terrible, c'est énorme. Ah, si l'on parvient à geler ou affaiblir les elfes noirs, ils ne peuvent pas se rétablir en l'air à part une production. Ok, c'est pas mal ça. Ne t'approche pas des cages. Je me demande pourquoi ils sont enfermés. Pourquoi ils sont enfermés? Parce que c'est des monstres, non? Des drognards là où je crois. Tiens-toi prêt. Quoi? Prépare-toi. J'ai un peu peur parfois. J'espère que ça en valait la peine. Salle noire comme ça. Ah, je vais voir. Ah non, 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 non. Ok, on laisse la hache sur le mur. Et on l'appelle, voilà. Les puzzles sont super cool dans le jeu. J'adore les puzzles. Alors... Oh merde. Je vais voir ce que c'est. Alors, attends. Enclume. Non, ça on connaît. Non, c'est ça. Serre de Thiazi. Maintenez R2 pour charger jusqu'à 3 vagues. Non, je préfère ça. Je préfère le truc qui te défonce. Les vagues, ça peut être sympa, mais... S'il faut charger... Non. On n'a pas le temps de charger dans nos combats. Non. En God of War, en mode God of War, t'as pas le temps. T'as vraiment pas le temps. Ah non, il n'y a pas les... Non, c'est dé... t'es prêt, mais... On peut ouvrir manuellement. Je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Je suis prêt. Je suis prêt. On verra ça plus tard. Oh putain, je me suis arrêté vraiment au bon moment. Quoi. Deux elfes, un connard. Okay. Je suis prêt.
Oh yes. Okay. Merde, y en a d'autres. Chier. Oh putain, pas encore. Ok, tu m'as gavé. Casse-toi. Désolé, attendez. Voilà. C'est un peu absurde quand même de pouvoir les faire tomber, les elfes. Ils sont censés voler, hein, je vais pas dire. Mais bon, ça aide. Ok, coffre avec rune. J'en vois déjà une là. Alors. De l'autre côté. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu crois que ce couloir latéral mène au temple? On va bientôt le savoir. Ah. Cool. Remarcus. Atreus, ici. Oui, père. Puzzle, puzzle. Alors j'ai vu que quand on baissait le pont, on pouvait geler les mécanismes. Donc on va faire ça. On peut faire ça, par contre. Malin, hein ? Malin, gamin. Par contre, celui-là... Bah voilà. Comme ça. Encore deux. Par contre, je vois vraiment pas comment récupérer ça. Ah, peut-être à l'arrière, derrière moi. Y a pas un passage? Ah! C'est ça, c'est vraiment les bons puzzles que j'aime, moi. Ça me rappelle les Soul River, ça me rappelle les trucs comme ça. Ah ouais, mais non, là non, là jamais on va trouver des meilleurs gantelets, quoi. Laisse tomber. Enfin, peut-être un jour, mais plus tard, beaucoup plus tard. J'avais tort tout à l'heure. Ah oui? Je reconnaîtrai la voix de maman entre mille. C'était elle. Elle nous a quittés, Atreus. Inutile d'en parler. D'accord. On a un mécanisme à droite. Ça va pas ouvrir les cages derrière moi, quand même.
Attends, y'a quoi là? Un coffre. Y'a tellement de trucs à découvrir dans le jeu, mais c'est incroyable. Putain, ça, j'adore. Objet rare, réduit de 12% tous les dégâts infligés par les attaques des elfes noirs. Cool. Et ça, ça s'active tout le temps? Ça, c'est constamment sur nous? Objet spéciaux, marque de nain, non. Merde, j'ai oublié le nom, c'était quoi déjà? Merde. Ah non, c'est là, c'est là. Défense augmente. Ouais, pour le moment, on va utiliser ça. Pour le moment, on utilise ça. Comment on ouvre les cages? Ouais, je sais pas. Ah merde, qu'est-ce qu'il fait? Atreus! Il est énervé, Kratos. La caméra n'a pas le temps de suivre les mouvements de Kratos, c'est un peu chiant. Hein. Saute, je sais pas. Je sais pas ce que tu veux faire, Kratos. Ok, ça. Oh mon dieu. Oh la vache. Kratos, il est énervé. Allez. Allez. Du combat. Ouh, c'est des elfes lourds. Merde, trop loin. Ah non, ça. J'ai toujours ma rage. Ah non! Qu'est-ce qu'il fait? Oh la vache!
crois qu'on a des nouveaux elfes. Le type semble supérieur aux elfes noirs communs. Ils frappent si fort avec leurs armes lourdes qu'elles créent des ondes de choc très difficiles à esquiver. C'est bizarre, j'ai les L3 et R3 qui clignotent encore. Comme si je pouvais faire ma rage, mais je peux pas. Je pense que c'est peut-être un petit bug. Vu que là, je pouvais la déclencher automatiquement. Ça marche pas, gamin? Non, il faut la lumière de machin. Quand il utilise la rage partielle, il se transforme en combattant. C'est ça. C'est ça. Le bon vieux Kratos. Pour le moment, j'ai rien débloqué. Enfin, je crois que j'ai juste un enchaînement de coups de poing. Mais on peut débloquer encore des habilités et des compétences avec la rage. Mais bon, on la fait pas très très souvent, quoi. En gros, je matraque R1 et ça passe. Ça fait des dégâts, c'est bien. Mais faudra regarder plus tard. Pour débloquer plus d'habilité avec la rage. Plus de compétences. Ah, pas de racines. Là on peut pas franchir. Ah, quoique, attends, ça brille. Là, c'est un peu plus simple avec la rage. Avec mon talisman, ma rune. Tu crois que la sorcière va bien? Je m'en voudrais de savoir qu'elle est morte en essayant de nous aider. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui. On la déclenche plus souvent, donc ça rend les choses quand même beaucoup plus simples. Ah oui, non, mais non, faut pas tirer dessus en fait des cristaux. Parce que je me suis dit peut-être que plus tard on va avoir la lumière, enfin c'est possible. Mais en fait, il faut. J'avais complètement oublié, c'est la bestiole, les tentacules, qu'il faut enlever. Encore cette chose. Alors, par contre, toi. Si on en coupe suffisamment, le pont en dessous de nous devrait réapparaître. D'accord. Voilà ça. Ça ne va pas être si simple. Oui. Et joli reflet, hein. Ouais. Ah. C'est par là. Elfe noir. Bloqué, putain. C'est horrible ces tirs. Ah ok, on a même des tireurs aussi. Votre danger.
Ah. Hey, chill. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain. Oh, wow, wow, wow. Ok, c'est le même que le... C'est le même que celui-là de fer. Par contre, tu m'expliques comment... Non. Non, on va recommencer. Par contre, avec son tir continu, là c'est spécial. Là. Bon, il a pas l'air super dur parce qu'on sait comment les combattre ces monstres-là, mais faudrait que je me cache pendant qu'il fait son tir. Ah merde, ils sont tout refaire. Ah, il a monté de niveau en fait. Ah merde. Point faible. Ok.